Le troisième topo des infections urinaires concerne la piélonéphrite aiguë au scanner abdominopelvien et nous verrons aussi d'autres examens. Le scanner abdominopelvien peut être demandé d'emblée en cas d'infection urinaire à risque de complications, c'est-à-dire un, enfin, un sujet âgé, une neuropathie sous-jacente ou une immunodépression grave. Il peut être réalisé également après échographie. En cas de syndrome obstructif visualisé à l'échographie, c'est-à-dire en cas de dilatation des cavités extraitrésurinaires mais sans obstacle identifié, il peut être réalisé si on suspecte un abcès à l'échographie ou en cas d'évolution défavorable après 72 heures d'antibiothérapie. Le scanner abdominopelvien va nous permettre d'explorer le parenchyme rénal, les voies extraitrésurinaires et la graisse périrénale. Nous allons étudier ces compartiments en un à un. Donc pour le parenchyme rénal, voici un scanner abdominopelvien en coupe axiale, au temps portal, donc injecté au temps portal, avec une aorte et une veine faire bien opacifiée. Ici, nous avons un rein droit qui présente un parenchyme rénal qui se réhausse de façon normale. Ici, nous avons un rein gauche avec un parenchyme ici de réhaussement normal. Et ici, une petite zone hypodense, c'est-à-dire qui apparaît moins dense que le parenchyme ici. Quand on zoome sur ce rein gauche, on peut voir cette zone hypodense, moins dense que le parenchyme Il s'agit donc d'un foyer de néphrite. Chez le même patient, nous avons effectué une reconstruction coronale des deux reins où on peut voir au niveau des pôles supérieurs des deux reins des foyers hypodenses triangulaires à base corticale. Il s'agit de foyers de néphrite. Chez un autre patient, voici deux coupes axiales successives du même rein droit. Ici, il s'agit d'une coupe passant par le tiers moyen du rein droit. Ici, une coupe passant par le pôle inférieur. Sur la première coupe du tiers moyen, il existe une zone hypodense, triangulaire, à basse corticale. Il s'agit d'un foyer de néphrite simple. Ici, sur la coupe passant par le pôle inférieur, on a un foyer hypodense qui est plus arrondi et surtout qui est beaucoup moins dense que ce foyer ici. Il s'agit d'un foyer de néphrite qui est en cours d'absédation. Voici une reconstruction coronale de ce même rein droit, avec deux lignes qui passent par les deux niveaux de coupe, c'est-à-dire le tiers moyen et le pôle inférieur correspondant au foyer de néphrite ici. Pour les voies extraitrices urinaires, voici une coupe axiale d'un scanner abdominopelvien injecté toujours au temps portal, avec les vaisseaux iliaques droits qui sont bien opacifiés. Et ici, une structure tubulée qui apparaît volumineuse, qui n'apparaît pas du côté contralatéral, avec un rehaussement des parois. Il s'agit d'un urethère inflammatoire, c'est-à-dire d'une urethérite. En reconstruction coronale, chez ce même patient, nous avons donc son rein qui apparaît avec un petit foyer ici qui est hypodense triangulaire à base corticale correspondant à un foyer de néphrite, comme nous l'avons vu précédemment. Et ici, en dehors des vaisseaux iliaques qui sont ici, nous avons cette structure tubulée avec le rehaussement des parois correspondant à une urétérite. Pour la graisse périrénale, donc toujours un scanner abdominopelvien injecté en coupe axiale, avec un rein droit ici de rehaussement normal, avec une graisse autour du rein droit qui apparaît très hypodense, donc normal, avec un rein gauche ici où on retrouve une graisse autour du rein qui apparaît beaucoup plus dense que la graisse ici qui est normale. Il s'agit d'une infiltration de la graisse périrénale avec une graisse plus dense que le reste de la graisse, que le reste de la graisse abdominale. Ensuite, nous avons l'IRM rénale. L'IRM rénale a une place un peu particulière puisqu'elle peut être réalisée alors de façon précoce, elle sera réalisée plutôt en cas de contre-indication au scanner injecté. Et sinon, elle sera réalisée à distance dans le cadre du bilan étiologique, mais encore une fois, il s'agit d'une affaire de spécialiste et elle n'est absolument pas systématique. Ensuite, il existe l'urétrocystographie rétrograde émictionnelle ou UCRM, qui est un examen qui va être réalisé à distance, en cas de cystite à répétition, afin de rechercher un facteur favorisant, comme par exemple le reflux vésico-urétéral, qui est un des facteurs favorisants les plus fréquents. Bien sûr, l'urétrocytographie doit être réalisée en dehors de toute infection urinaire pour éviter la contamination rétrograde du haut appareil urinaire. Voici un cliché d'une urétrocytographie euh, permictionnelle rétrograde où, ici, nous avons un patient qui a été sondé. Nous avons opacifié la vessie par la sonde à l'aide d'un produit de contraste et le but de cet examen est de rechercher la progression du produit de contraste le long des urtères. Donc nous voyons à droite ici qu'il existe une absence d'opacification de l'urtère par le produit de contraste. Donc il s'agit d'un urtère normal. Un urtère physiologique ne, se, ne prend pas le produit de contraste après opacification vésicale, contrairement au côté gauche où il existe une progression du produit de contraste à travers l'urtère lombaire, pelvien palvien, l'urtère lombaire, le bassinet et les calices. Donc, il s'agit d'un reflux vésico-urétéral de haut grade, puisqu'on a une pacification des voies extraitrices urinaires, contrairement au côté gauche qui est normal. Prochaine étape les complications. Je vous remercie.